Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Je viens de récupérer un mondial relais, un colis mondial relais. Donc la commande que j'ai faite chez le site Dans mes pochettes. Je vous avais dit, j'ai commandé les die-cuts de la collection Die Dream de Coco Habania et un kit. Enfin bref, je vous montre tout de suite. Bah voilà, on y va. Alors. Perrine, cette fois-ci, alors j'aime bien la changer la petite cartonnette qu'elle nous offre. Retour de vacances, ma petite famille, très chou, profiter des week-ends, des petites étiquettes comme ça, super sympa. Donc voilà pour ça. Alors j'ai pris, comme je vous ai dit, j'ai pris les die cuts de la collection donc Daydream de Coco Vanilla, Cocoa, pardon, Vanilla. Puisqu'il n'y était pas, il n'était plus dispo chez Craftelet, donc je me suis dit, je les ai pris chez la fée du, je vais y arriver dans mes pochettes. Regardez le joli batch que j'ai fait aujourd'hui. Avec donc bah, forcément la press button, avec un papier de Action. Je le trouve super sympa pour l'été, pour un thème d'été, été, hein, été la saison, pour un album d'été où ça peut être très joli. Et vous voyez la taille, il est grand. On peut faire des badges avec écrit des choses dessus. Enfin, ça peut être faire l'objet d'un titre, d'un album, tout ça. Enfin bref. Donc, les fameux die-cuts qui m'ont l'air très jolis. Je vais les découvrir en même temps que vous. Donc voilà, et là on a des petits die-cuts également dans des. C'est marrant. Des die-cuts en plus à découper dans des petites cartonnettes. Donc voilà, ils sont super jolis, je trouve. Alors ensuite, je vais vous présenter le kit Project Life du mois de septembre. Voilà, septembre. J'aime beaucoup les kits chez Perrine, dans mes pochettes. Surtout ceux de Project Life. Et je crois que autant le Project Life ne m'a jamais tenté depuis le temps que ça existe, hein, depuis que je connais. Et ça a fait des années, je vous assure. Mais là, je sais pas, je suis de plus en plus tentée. Et bah, je vais peut-être m'y mettre. Néanmoins, que je m'y mette ou pas, les kits Project Life de chez de la boutique dans mes pochettes. Je les utilisais jusque-là pour le scrap, hein, et ça, ne, ça enfin pour le scrap pur et dur, enfin le vrai, le scrap basique. Et ça m'a jamais, voilà, je trouve que le prix du kit est plutôt super raisonnable pour ce qu'on a, je trouve. Hein, enfin, c'est mon avis, hein, ce n'est que mon humble avis. Donc là, on avait ce tampon transparent de chez Holland Crête et j'adore cette marque et j'adore leurs tampons. Autant celui-ci, je l'avais pas. Donc, bah, super sympa, un truc assez graphique comme j'adore. On peut faire une carte avec, une carte Project Life. Ensuite, il y avait alors des cartes Project Life évidemment et une petite planche de enamel. Alors, des dots et des étoiles et des cœurs. Après, on a des planches, des cartes transparentes en acétate. Des cartes Project Life, bah, qui sont très jolies. Et après, des petites cartes et des plus grandes. Vous savez que j'en ai un tas, moi, de cartes Project Life. J'adore ça. Et que je les utilise pour le scrap. Vous pourrez le voir très bientôt, si vous ne l'avez pas déjà vu. Je ne sais pas, là, on est mercredi, je ne sais pas du tout. Je viens d'aller récupérer mon colis, du coup, je le filme. Mais je ne sais pas du tout quand est-ce que je mettrai cette vidéo en ligne. Donc, avec un peu de chance, vous avez eu de la créa avant. J'espère, hein, franchement, parce que les hauls, ça va un temps, mais après, je pense que ça devient. Enfin, non, je sais que vous aimez ça. Je sais que vous aimez ça, donc. Mais bon, moi, honnêtement, je veux créer maintenant. Je veux mettre à créer. En fait, je les ai pris à l'envers ou quoi? Hop. Ouais, c'est plutôt le. Je suis à l'envers. Enfin, disons qu'elles ont un. Elles sont recto verso. Mais vous voyez, on a plus de parlance de l'autre côté.
Il y en a que j'ai déjà en plus. Voilà. Je crois que c'est tout. Et ensuite, celle-ci. Bah ça c'est une planche de dans mes pochettes. Ensuite une planche de stickers. Ça c'est quoi? C'est American Craft. Je cherchais la collection. Ah oui, c'est Will You de One Canoe et tout. Voilà, je me disais bien aussi. One Canoe et tout. One Canoe et tout. Et Will You. Donc, ça fait partie de American Craft. Donc, tout est en anglais, je sais bien. Moi, ça me va. Une jolie phrase ici, on la voit pas très bien, mais je peux vous retirer la petite pour le plaisir de regarder la fraise. C'est joli, hein. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, elle nous a mis des papiers. Donc de Béatrice Garny, La vie est belle. Donc on a celui-ci, très joli. Et il y a un bloc acrylique qui a décidé de nous embêter. Celui-ci, qui est magnifique aussi, très très beau. Et celui-ci, donc des rayures vertes, vertes. Là, si vous voyez bien du vert, mais c'est surtout les cartes ici qui vont plus me plaire. Donc voilà, c'était assez rapide hein, pour une fois, mais voilà, c'est reparti. Pourquoi c'est reparti? Donc voilà, voilà mes paillettes pour ce petit haul. Donc c'était rapide, honnêtement, hein, j'ai vu sur Instagram que Perrine avait la collection Coco Vanilla, cette fameuse collection. J'ai foncé sur le site, je me suis dit je vais voir si elle a les die cut. Et si elle a les die cut, eh ben je les prends, c'est ce que j'ai fait, voilà. Donc je suis ravie. Et puis bon bah le petit kit est sympa aussi. J'aime bien les kits aussi pour. Donc voilà. C'était histoire de ne pas prendre que les die cuts quoi. Et donc cette collection, je pense que je vais m'en servir pour l'album. Pour un album sur mon week-end à Honfleur. Là, le week-end dernier, je suis partie à Honfleur. Et je pense que je vais m'en servir parce que je trouve que ça s'y prête pas mal. Les petites maisons, tout ça, enfin. Plus d'autres. Ouais. C'est vraiment les petites maisons style normande là qui m'ont bien plu là-bas. Enfin bref. Donc voilà. Donc on a Nouki qui est là. Hein, vous l'avez aperçu, je pense. Et je vais vous laisser là, hein, comme ça au moins. Et bien, demain je vais à Action. Demain je vais à Action, je verrai ce que je trouve. Non, je vais pour acheter. Enfin, je dis non, mais si, si, je vais regarder. Je vais pour acheter mes petits gâteaux. Pour acheter des trucs pour se laver les mains. Quelques produits d'entretien, je crois aussi. Enfin, j'ai fait ma liste. Hein. Mais bon, je vais forcément faire un tour dans le rayon scrap ou Noël, tout ça. Enfin, bref, c'est sûr. Bah oui. Ça y est, on est foutu. Hein. Action, c'est reparti. Hein. Non, ça va aller. Ça va aller, ça va bien se passer. Je vous ferai un haul de toute façon. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais mettre ce haul là. Disons qu'il va y avoir que des hauls encore sur ma chaîne et ça m'énerve. Je verrai. Demain, je suis en repos. Donc, je vais à Action. Je vais faire le haul forcément demain. Parce que les hauls à Action, je trouve que c'est bien de les faire en temps et en heure. Pour que vous ayez vraiment ce qu'il y a au moment présent dans les actions. Même si chaque action a des arrivages différents, les produits sont plus ou moins les mêmes en même temps. On est d'accord. Et moi, je ne sais pas pourquoi je parle avec mes mains. Mais donc, je vous mettrai certainement le haul action demain. Et celui-ci, bah, après. Voilà. On verra. Je verrai. Bon, bah écoutez, sur ce, mes paillettes, moi, je vous souhaite tout plein d'autres choses. Ouh
Après une journée de boulot, on est KO. Je me suis empressée d'aller au Mondial Relais chercher le colis. Et je suis contente, ouais, comme ça, voilà, c'est fait. Et voilà. J'ai hâte de créer aussi. Donc demain, je suis en repos. Je vais voir si je peux continuer l'album pour mon ami qui va bientôt rentrer de vacances. Il faudrait peut-être que je lui offre son petit album. J'ai mon petit Nouki qui est sur le dos comme ça et qui veut des papouillettes et qui a entendu un bruit. Donc et j'ai hâte de parler et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Mes paillettes, j'ai un truc dans la gorge. J'ai un chat dans la gorge. Nouki sort de ma gorge. Tout va bien. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, mes paillettes. Et je vous dis à très très vite. Et surtout, mais j'allais oublier, mais non, mais j'oublie pas. Surtout, je vous dis que je vous kiffe. Merci à toutes les nouvelles paillettes qui sont arrivées. Franchement, comment on dit, vous savez, vous déboulez là, c'est super gentil. Merci de vous abonner, merci à vous. Ça me fait plaisir. Ça fait des paillettes. Plus on est de folle, plus on est de paillettes, plus on est folle, plus on rigole. Genre, je fais des rimes et tout. Non, je vous retrouve. Alors oui, il faut que je vous fasse la revue sur les encres EasyInk aussi. Ça, j'ai prévu de vous faire et je vais vous le faire très vite. Parce que bah, je m'en sers pas mal d'ailleurs pour l'album, je vais m'en servir. Donc comme ça, vous verrez comment je m'en sers. Bon, sur ce, moi je vous dis à plus dans le bus. Je vous dis que je vous kiffe et tout va très bien. Vous le voyez que tout va très bien. À très vite, mes paillettes. Je vous kiffe. Je répète 36 fois la même chose. Non, non, mais tout va très très bien. Hein. Tout va très bien. Allez, ciao, ciao.